Bonjour et bienvenue sur la télé du pays de Châteaubriand. Aujourd'hui, nous sommes à Boufféré, un lieu-dit situé sur la commune de Moidon-la-Rivière. Boufféré et ses vaches, les 70 vaches laitières de l'exploitation agricole de Michael Huneau et de ses parents. Il y a quelques jours de cela, il organisait une journée ferme ouverte qui a attiré plus de 150 curieux. L'occasion de découvrir une exploitation qui a fait appel à un conseiller bâtiment pour s'agrandir et se moderniser. Présentation des lieux. L'exploitation, c'est une exploitation familiale qui regroupe donc deux ateliers, un atelier lait et un atelier céréales. Donc un atelier lait d'environ 70 vaches laitières et nous faisons à peu près 130 hectares de céréales. Donc, on a eu recours à un conseiller de la chambre d'agriculture pour tout ce qui est réalisation des plans et disposition des différents blocs. Le cœur d'un bâtiment, c'est la salle de traite, donc tout ça, il faut que ça navigue autour. Donc après, il faut gérer les aspects circulation d'animaux, circulation des hommes, du matériel pour nettoyer, etc. Et puis assurer des bonnes ventilations. Et dans un complexe comme celui-ci, il y a la réflexion du passage d'un bout de bâtiment à un autre, les passages d'hommes, comme on voit ici, je trouve que c'était très bien réfléchi. Laurent Cordier, donc conseiller technique en bâtiment à la Chambre d'agriculture, tout comme Sylvain Daniel, qui a travaillé sur le projet de Michael Huneau. On cherche à innover, on cherche à améliorer les conditions de travail. Il y a le facteur organisation du travail qui rentre en ligne de compte, conditions de travail, et puis après, donc, qui dit agrandissement, dit aussi plus de moyens. Donc après, c'est la gestion des hommes aussi dans l'entreprise. Il y a une demande de la part des éleveurs qui a été accentuée depuis l'obligation de mise en conformité en fait. On est passé d'une aire totalement différente de couchage des vaches. On est passé avec une aire avec des logettes. Donc là les vaches sont rangées côte à côte. Le conseiller bâtiment est intervenu surtout au niveau des dimensions des logettes. Parce que c'est important qu'elle soit à l'aise lorsqu'elle est couchée, mais aussi pour se relever. Donc elle a un espace suffisant pour se lever devant. C'est qu'elles se couchent toujours au même endroit, les vaches. À la traite, on gagne du temps. Et puis aussi, c'est ça, après, pour la qualité du lait. Les vaches, elles ont moins de microbes, donc elles ont moins de risques de mamites. Donc, c'est plus sain, quoi, pour la vache. C'est ce qu'on disait, elles sont bien, là, les vaches. Là. Un cadre plus sain, donc, pour la vache, grâce aux travaux réalisés en 2005, mais un cadre aussi plus sain pour l'homme. Tout est automatisé. Donc, le taquet, là, vient de tomber dans le trou. Et là, il est emporté par le rail, jusqu'à la fosse. Donc là, on a ici la piscine municipale qui fait 2200 m3. Tous les jus du bâtiment de la salle de traite arrivent dans cette fosse qui fait 2200 m3. Celle-ci reçoit donc les effluents de la stabulation des vaches, donc le lisier, plus les effluents du bloc traite. Les conseillers bâtiments interviennent donc pour des projets de création de bâtiments d'élevage ou d'extension de bâtiments. Ils assurent le suivi du projet du premier tracé au dépôt des permis de construire. Ils accompagnent également les exploitants dans la mise aux normes de l'exploitation et les conseils pour améliorer le bien-être des animaux. Pour toute information concernant ces fameux conseillers en bâtiment d'élevage, contactez la maison régionale de la Chambre d'agriculture à Châteaubriand, le téléphone 02 40 55 68 08. Bonne journée et à très vite sur la télé du pays de Châteaubriand.